Is it like no. Welcome. I'm first of all grateful to the Prime Minister who have invited the Northwest region to table his contribution to the national dialogue today here at the Star Building. The situation is globally under control in the Northwest region, even if in some areas we still have some concerns as far as security. And thanks to the professionalism of the administrative authority, the force of law order, we are able to have the full control of the region. We came here to table the contribution of the Northwest region to the dialogue. And we came along with a strong and powerful delegation from all sectors, all social, political, religious backgrounds of the Northwest region that are showing their interest to see into it that the dialogue ordered by the head of state helped
to give a befitting burial to the crisis that has been for a long period hindering the social peace in our region. So we raise to the Prime Minister the major concern of the Northwest region in the social domain, the economic domain, the security domain, the administrative domain, not forgetting the concerns of minority, disabled people, women and youth. And I would like to indicate to here that we came along with some leaders of those special groups that accompanied us to the Prime Minister today. But one of the main issues that were discussed with the Prime Minister in keeping with the framework indicated by the head of state is the decentralization process. The population of the Northwest region are happy with the dialogue invited by the head of state and would like the speedy implementation of the decentralization process to give more means to the municipalities, to the region, to solve the major concern raised to the Prime Minister here. They are certainly aware that we are in the indivisible United States, but they are convinced that if more means are given to the grassroots responsible, many problems will be sorted out at grassroots level and prevent crises like those we are facing today to arise. That's the reason why we brought that concern to the Prime Minister in the name of the Northwest population. Je voudrais tout d'abord remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a bien voulu nous donner l'opportunité de lui présenter les expectatives du Nord-Ouest par rapport au dialogue national. Je voudrais d'abord saluer la mobilisation des élites et forces vives du Nord-Ouest. Je suis entouré ici d'éminentes personnalités, dont certains sont nos patrons. Cela est un honneur en ma qualité de représentant personnel du chef de l'État. Je voudrais vous dire que le Nord-Ouest se porte globalement bien, même si nous continuons d'avoir des préoccupations d'ordre sécurité dans certaines localités. Et je voudrais ici saluer le professionnalisme des chefs d'unité administrative, des forces de maintien de l'ordre et de tous les chefs traditionnels élites et forces vives patriotiques qui les accompagnent dans la mise en œuvre de leur programme d'action et la sécurisation de la région du Nord-Ouest. Nous sommes surtout venus ici rendre compte au Premier ministre des contributions de la région du Nord-Ouest au dialogue national. Elles ont été faites à tous les niveaux, conformément aux prescriptions du chef de l'État, dans son discours du 10 septembre. Tous les secteurs ont été touchés, qu'il s'agisse du monde rural, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du commerce, du travail des jeunes, sans oublier les minorités, les problèmes de sécurité, les problèmes administratifs, la prise en charge des chefs traditionnels et autres préoccupations ont été adressées au Premier ministre. Mais nous avons surtout insisté sur la mise en œuvre du processus de décentralisation dont les populations au ras du sol attendent qu'ils permettent de régler au ras du sol les problèmes quotidiens. Cela permettrait d'anticiper par rapport à la survenue de certaines crises. Il va sans dire que si plus de moyens étaient donnés aux communes et à la région qui sera bientôt mise en œuvre, de nombreux de nos soucis seront réglés au ras du sol. C'est pour cela que nous avons insisté sur l'implémentation de la Constitution, malgré les réticences de quelques-uns. Nous avons insisté afin que le cadre institutionnel qui gouverne notre pays soit à l'avant-garde des discussions qui vont commencer. Merci beaucoup. Merci. Merci. I'm grateful for the incentive. I'm grateful for the incentive.